unités de production actuellement, on s'étale sur une surface totale de 15 000 m2, dont à peu près 60% est bâti. On a trois unités de fabrication, on a certains départements sont rattachés là-bas. Le nombre des employés de manière directe, actuellement, on est à environ 600 personnes. Le nombre des ingénieurs et techniciens représente entre 30 et 40%. Le moyen d'âge, c'est entre 25 et 30 ans. La majorité des techniciens et des ingénieurs, environ 70%, c'est leur premier emploi. C'est la politique de l'entreprise en matière de ressources humaines. Et c'est dans le cadre de ces relations avec les universités et les centres de formation de recruter les premiers demandeurs d'emploi et les faire former sur la partie technique, ça veut dire maîtrise de process et beaucoup plus l'assurance qualité, parce que c'est extrêmement important, et la partie management, les 5S, le management visuel, le management par objectif, parce que la direction de l'entreprise croit fermement que, et c'est le message qui est diffusé actuellement, depuis le démarrage, mais de manière intense actuellement, c'est qu'on est payé par le client. Donc on doit respecter le client, on doit être à l'écoute du client et on doit prendre ses réclamations, ses attentes en priorité. Au niveau de l'unité de production de cartes électroniques, donc on réceptionne la matière première en CKD. Donc on fait le contrôle d'entrée, contrôle qualitatif. On fait le comptage physique des composants, de tous les composants réceptionnés. On monte les composants sur les machines qui étaient déjà programmées. Donc on monte tous les programmes, on prépare les programmes sur toutes les machines. Puis on commence l'insertion de 3 cartes mères pour validation. Donc on envoie les cartes mères au niveau du département technique pour approbation, pour avoir l'approbation. Après la réception de l'approbation, on lance la production de masse. Donc sur les deux machines, sur les deux lignes d'insertion. Donc on atteint sur les deux machines une quantité de 2500 cartes à jusqu'à 3000 cartes par jour. On fait le contrôle au cours de la production sur les deux chaînes. Donc nous avons des machines d'inspection qualité. C'est des machines SPI et machines IOI. Donc l'SPI consiste au contrôle de la partie étalage de la cam embrasée sur les cartes. Les IOI, ce sont des machines qui contrôlent le montage des composants sur la carte. Donc s'il y a une anomalie, quelconque anomalie, elle est détectée au niveau de la machine. Donc il y aura une correction ou l'écartement de la carte. Donc on enlève la carte. Donc après ça, nous avons la partie insertion manuelle de la grosse pièce, donc les composants, les connecteurs. Et il y a le passage dans le bain de soudure pour le soudage des composants traversants. Ensuite, toutes les cartes doivent passer par le test de fonctionnement. C'est-à-dire, on fait le test de toutes les cartes, les entrées et sorties de la carte, on fait le software de la carte jusqu'à avoir un produit fini. C'est une carte mère insérée, testée avec un numéro de série et un QC passé, bien sûr. En octobre 2015, on a signé un contrat de distribution de nos produits sur la marque Stream System dans le marché européen, Espagne, Portugal, ce qui est vraiment compliqué. D'ailleurs, le consommateur européen, le consommateur étranger de manière générale, il ne fait pas confiance dans le made in Algérie, mais par une stratégie, par des efforts, par beaucoup de sacrifices. Alhamdoulilah, on a pu placer le produit. D'ailleurs, il est vendu actuellement depuis 2015 sur le marché espagnol, le marché portugais, sur la marque Stream System. Oui, Inch'Allah, très bientôt, Inch'Allah, il connaît d'autres contrats avec d'autres pays. En 2015, on a lancé aussi la fabrication des smartphones localement. D'ailleurs, comme je tout, à la surprise générale, on a bien lancé l'assemblage ou la fabrication des smartphones ici en Algérie, on n'a pas trouvé un code d'activité. Donc, à demande de Bomar, un code d'activité fabrication, parce qu'il existait un code d'activité
commercialisation et réparation. À la demande de Bomar, on a créé le code d'activité fabrication des smartphones. On a la première unité Tana avec des salles blanches ou des salles propres en 2015 pour la marque Stream System. Ici, on est à l'unité d'assemblage des smartphones. Donc le processus est comme le suit. Donc on reçoit le SKD, qui est la matière première. Donc on fait le contrôle à l'entrée par le département qualité. Donc il fait la vérification de tous les articles reçus. Après ça, donc, on fait l'assemblage des premières pièces pour la validation. Donc si tout va bien, le téléphone marche bien, donc on fait le démarrage de la production, de l'assemblage, donc de masse production. Donc ici on a deux lignes, une ligne qui fait uniquement l'assemblage du smartphone Stream System et il y a une deuxième ligne qui fait uniquement l'assemblage du smartphone LG. Donc la capacité pour la ligne LG c'est à 3000 pièces par jour et pour la ligne Stream on arrive à 2000 pièces par jour. Donc les étapes de ce processus, donc premièrement on fait la préparation de tout ce qui est accessoire. Après ça, donc, on commence l'assemblage de la carte mère avec le tactile, avec la dalle, le LCD. Après ça, donc, il y a l'étape de vérification, test, tout ce qui est test de fonctionnement du smartphone. Donc, puis il y a le test de radiofréquence. C'est un test automatique, bien sûr. Après ça, il y a l'injection de l'émaillé. Après l'émaillé, on fait le contrôle visuel, le contrôle de l'aspect général, l'aspect esthétique. Donc après la partie assemblage, on fait la partie emballage. Donc l'emballage du téléphone, c'est un emballage qui est local. Donc, on fait l'insertion des manuels, du certificat de garantie et tous les articles du téléphone sont dans le boîtier du téléphone. Une fois on a installé le produit en Espagne et Portugal, pour nous notre objectif c'est de toucher aussi le marché allemand, français et italien. On est en train de finaliser avec un partenaire italien. Alors normalement on commence à recevoir des commandes mensuelles de 2 500 000 $, donc plus ou moins pendant l'année c'est plus ou moins 25 millions à 30 millions de dollars par an. En part TV, ça c'est la première étape. Et normalement, inchallah, après ça, on commence à développer même la téléphonie. Nous, on est en train de travailler sur un sujet où on peut être un peu différent. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais soyez sûr qu'on va partager notre business avec un groupe japonais mondialement connu. Mondialement connu, moi si je parle mondialement connu, c'est une référence. Et voilà, exactement. Et lui, il a une partie de software, on va développer, c'est-à-dire un système pour le produit. C'est normal, ils vont travailler avec nos ingénieurs en coopération, donc ils vont développer ensemble, pas plus de ça. D'intégrer certaines options sur le produit. On a installé l'année passée avec notre partenaire américain une ligne d'insertion complète avec un coût, c'est pas du rien. On a investi 1,5 million de dollars dans un équipement, être installé à l'université de Blida, Saïd Dahlem, pour former des ingénieurs. Mais c'est pas uniquement pour Bomar, pour l'économie algérienne. À n'importe opérateur, même nos confrères ou bien entre guillemets et entre parenthèses des conquérants, s'ils ont besoin des ingénieurs, ils peuvent payer un ingénieur pour l'entreprise, il n'y a pas de problème. Donc on est là pour notre économie. Et on sait très bien si on est en train d'investir aujourd'hui pour l'avenir de notre activité. Donc voilà, bon, grosso modo, c'est ça.